il y avait un truc. C'est vrai que j'oublie tout le temps que je peux me déplacer moi aussi avec le blabot. Imaginez qu'on a mis le chat, hein. Imaginez on a mis 2h30 à apprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé sur un roublard, un seul roublard du jeu, sur le chat, hein, qui connaissait le truc assez, assez bien. En 2h30, je ne l'ai pas remarqué, mais personne non plus dans le chat, que je pouvais faire exploser les bombes et que les bombes, ça soit des dégâts qui sont dus aux bombes et donc ne pas louper le challenge spécial. J'ai un peu le seum. On a remarqué ça, dites-vous, il y a seulement 20 minutes. Peut-être même un peu moins en vrai, je dirais 15 minutes, un truc comme ça. C'est ouf, hein. On a le chat qu'on mérite. Que des noobs ici. Ah, my bad. On a le bon placement du tofu fugace, on devrait avoir le tofu kaz et la tofu en one shot. En fait, c'est déjà c'est des dégâts indirects, ça c'est sûr, mais même si c'était des dégâts indirects, par exemple, je pense que les poisons, ça louperait aussi. En gros, le spécial, le concept, c'est que tu ne dois pas infliger de dégâts à un monstre si tu n'es pas aligné à ce monstre. Donc en gros, je ne peux pas taper si le mob n'est pas aligné à moi, sachant que je dois zombie. Ça veut dire que ma portée d'action est très faible. On a un one shot du fugace. Oh, attendez. Et de la tofu. On a un placement du ventripotent. En vrai, si je... Ah, s'il n'y avait pas le bomber fou ici. Franchement, s'il n'y avait pas le bomber fou là. Ouais, si je fais ça, si je mettais un blabot, ouais, aimante, bot. J'avais que 4 PA et je t'avoue que je sais pas si je pouvais placer avec le blabot là. J'avais déjà la bombe. Je pouvais pas faire blabot attirer moi ici et puis après je pouvais pas le mettre le potent. Bon, c'est pas grave parce que... C'est pas grave parce que là maintenant j'ai de nouveau un placement... Alors on va pas se tromper ce coup-ci, on va pas se faire avoir. Hein. On met une deuxième bombe mais on met une troisième ici. Hein, je me ferai pas pousser par le tofu. Il m'aura pas celui-là. Si je fais bot. Ouais, c'est bon. Je fais bot, je peux faire aimantation ici. Et rester là. Même mettre une flamèche, hein, ça mange pas de pain. Tu veux que j'entourloupe quoi, Flaz? Est-ce que les dégâts sont suffisants pour tout faire péter là? Oh monsieur! Oh oui monsieur! Oh oui 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 oui! Attendez. Non, j'ai failli faire une bêtise. Ça se trouve je loupais Versati. J'avais fait une bombe R avant ou pas? Aspilateul. J'avais fait une bombe R avant. Je crois pas, hein.
Bon, c'est pas grave parce que de toute façon je le tacle maintenant. Ça veut dire... Action. Bot. Aimante. Allez, explosez-moi la gueule. Bot. Aimante. Il est pas victoire trop vite le chat, ça porte malheur. En plus, oh, en plus il y a un... Hey, boy. Je lis vos messages juste après, je vois une nouvelle personne sur le chat. Bienvenue à toi, Nash. En vrai, on n'a rien de trop space à faire. On va quand même faire attention. Et qu'on estime que c'est suffisant. Ah, je sais pas, ça sera jamais vraiment suffisant. Ouais, en plus on est bien taclé, donc je pense qu'on va juste jouer un peu la durée, quoi. On a Russell qui tape bien. Sunset tape bien. Oh, j'ai envie de déto, mais je vais mourir avec. Non, allez, je le fais pas. Ah, et puis si. Non, je le fais pas. Oh, et puis si. Non, je rigole. Je rigole, le chat. Ah non, le kill libé, c'est bon, hein. Plus jamais, hein. C'est bon ? Oh. 2h30 à faire cette merde. 2h30 à faire ce caca, là. Eh ! Reviens, toi. Oh, j'ai eu peur. Oh, Mazette. Oh, le screen des familles fait du bien. C'est parti. Alors, ça part sur un tofu de c'est mort. J'y retourne plus. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle le donjon. Voilà. Boum. Tofu de c'est mort, j'y retourne plus. C'est le nom du donjon, hein. Je l'ai pas inventé. Promis. Attendez, il est où le donjon des tofu, là? Là, ici. Solo, tendu haut en plus. Hé hé. Hé hé, boy. On a réussi à faire spécial. Putain, la vache. Au début, quand je suis arrivé, j'ai dit non, c'est pas possible. Quand même. Le dernier donjon qu'on a fait, c'était quoi? C'est l'Académie des Gobes. Donc c'est qu'on a le même œuf. On peut aller là. Ici. Et on peut écrire enfin la note. On écrit quoi dans la note, le chat, dans les détails? Alors, il y avait un message de Nash Noob. Quand tu fais exploser les bombes en zone, détonne sur L. C'est ce qui est le... Alors, quand tu fais exploser des bombes en zone, détonne sur L. C'est ce qui... Attends, détonne sur celle qui est la plus évoluée, pardon. Ça transmettra ses pourcents de dégâts au combo. Ah, mais c'est ça, je me demandais. C'est pour ça que quand je mets une bombe de niveau 1, si elle est rattachée à un mur et que je fais exploser en détonation, ça fait plus de dégâts qu'une bombe de niveau 1 tout court. Bah merci de me le dire, parce que je le savais pas. Bon alors du coup la note, on va marquer... Je pense que c'est réaliste, non? Au niveau de la note, du donjon tofu.
2h30 sur le boss, c'est pas une blague, j'ai voulu faire le full succès, mais c'était dur sa mère. Les galères de zinzin, bref, bon, j'ai appris plein de trucs, du coup c'était cool quand même. Ah. J'ai posé 3 mois de congé. STP, tu peux sortir du donjon? J'en ai marre d'entendre les toupies pignoler derrière. On va sortir, vous en faites pas. Oh, je suis content. Oh, j'ai un message de Topacha. Va falloir que je regarde ça après le stream. Oh, ça y est, au fait, le chat. On a accès au build. Si vous cliquez ici, vous pouvez avoir accès au build que j'utilise, du coup. Alors, on va changer. Tac, mais j'ai galère de zinzin, c'était dur. Voilà, ça c'est bien. Alors, en vrai, easy ou pas le chat? On est marrant. Est-ce que je suis niveau 60? Oh. Oh, niveau 60. Je vais enfin pouvoir me déplacer en monture. Le gelano, l'autopilote, rémission, je sais pas ce que c'est.